Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation et sur cette même vidéo suivra un petit tuto. Donc j'ai acheté les nouveaux dies de chez Action. Donc j'ai pris ceux-là, donc avec les pots de confiture. Donc là, je vous ai fait un tuto avec le dies là, enfin ceux-là, là. Et puis je crois qu'il y a ça aussi dedans. Donc au dos, c'est comme ça, vous pouvez faire ça. Il y a même la petite cuillère. C'est trop mignon. Et j'ai pris aussi le dies de la maison. Donc vous verrez, je vous montre dans le tuto. Je l'ai déjà assemblé. Et voilà. Donc la décoration, c'est pas encore fini. J'ai juste testé en fait. Mais franchement, c'est top quoi. Voilà. Donc là, je vais vous présenter donc ce que je vous montre dans le tuto. Vous voyez, on peut faire des petites choses comme ça. Voilà. Donc en fait, ce que je vous montre dans le tuto, c'est pour faire une sorte de carte. Hein, vous pouvez vous en servir comme carte d'invitation. Je ne sais pas, petite carte d'anniversaire. Voilà, pour les invitations. Franchement, c'est top, quoi. Donc là, je vous montre comment assembler, que ça reste ensemble. Voilà, tout simplement. Et comme je le dis dans le tuto, vous remarquerez que j'ai pas mis de dentelle. Voilà, donc ça fait bizarre. Hein, mais c'est très joli aussi. Hein. Voilà, pas forcément obligé de mettre de la dentelle, mais quand même, je vous montre. J'avais fait un tuto il y a un an environ, des petits bocaux comme ça. Donc, vous voyez, il y a la, voilà. Donc ça, en fait, ça va ensemble. Hein. Et là, il y avait de la dentelle. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de faire. Là, c'est pareil, c'est avec un dies. Mais après, vous trouvez des gabarits sur Pinterest pour pouvoir découper. Pas forcément obligé d'acheter des dies. Hein. Surtout pour les débutantes, voilà. Donc une imprimante suffit. Et donc là, j'avais fait celui-ci. Et j'avais fait aussi, je crois que c'est celui que je vous avais montré en tuto. Donc là, je l'avais accroché sur un petit tiroir en bois. Donc c'était celui-ci avec le mot buttons, le petit ourson là, Love Tilda, la petite pince à linge. Si je ne me trompe pas, c'est celui-ci qu'il y avait en tuto. Voilà, donc avec dentelle, sans dentelle. Donc vous avez les deux. Donc ensuite, alors moi ce que je voulais faire aussi, c'était faire un petit mini. Donc j'aurais pas mis les parties là parce que sinon ça bloque hein, quand vous les rentrez les uns dans les autres, ça va pas à cause de ça. Donc du coup, ce qui est bien aussi de faire, c'est qu'on peut donc faire des découpes et tout, les assembler ensemble. Donc peut-être pas celui-ci. Donc c'est-à-dire hein, sans cette partie-là, hein, vous faites que vous découpez juste la face. Hein. Et ensuite, vous pouvez faire un trou ici et assembler avec un anneau de reliure. Et je trouve que ça ferait super joli. Voilà. Ça ferait très bien là. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité-là. Ensuite, alors, je voulais vous montrer d'autres petites choses parce que du coup, j'ai retrouvé des petits trucs. Voilà. J'avais fait, par rapport au tuto là que je vous ai fait dans la vidéo précédente, j'avais fait aussi des petits embellissements comme ça avec la petite fiole et l'étiquette Tiny Treasure. Là, j'avais fait comme ça, la petite pince à linge, voilà, une petite mini bobine. Et en fait, là, c'était pour vous montrer qu'on peut faire aussi avec des petites fioles pour accrocher. Ça, je voulais vous montrer. Donc ça, je vous ai montré. Voilà, je trouve ça super mignon. Franchement, peut-être avec dans la dentelle, ça aurait encore rajouté un plus. Mais franchement, je ne crois pas en rajouter. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, vous voyez, super simple. Voilà, j'ai juste rajouté ça. Ça, j'ai doublé sur du papier Bristol et j'ai mis deux petits œillets, deux petits brads, pardon, que j'avais acheté à l'époque chez Action. Là, j'ai mis la ficelle et un petit nœud comme ça que j'ai moulé. Et bah, le compote de bisous. Voilà, vraiment tout simple aussi. Hein. Voilà, avec le dies là, pour faire l'étiquette. Et au dos, j'ai mis le papier. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer. Puis cette semaine, je pense faire un petit tuto pour faire des fleurs comme ça. Voilà, c'était des fleurs que j'avais présentées il y a un moment. Et du coup, je vais faire un tuto pour pouvoir en faire des comme ça. J'avais fait celle-ci avec le petit lapin Tilda comme ça. Ça, c'est une que je vous avais montré il y a quelques temps.
Voilà, il y a plein de... Ça, c'était la façon Vilma. Voilà. Ça, c'est pareil. Je ferai aussi un tuto. Voilà, là, j'ai envie de faire un peu des fleurs. Parce que franchement, ça rend super bien sur les... sur ce qu'on fait, même sur le pot, là, de chez Action que je vous ai montré. Voilà, vous verrez, on peut mettre plein de choses dedans. Là, c'était avec une lettre de Scrabble. Voilà, donc du coup, je vous ferai ça, je pense, cette semaine encore. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec le tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors du coup, donc ce que je vais vous montrer, c'est que, donc là, ce sont les nouveaux dies hein, de chez Action. Franchement, ils sont très très jolis. Le rendu est très joli aussi. Là, je vous montre juste ce que je veux en faire. En fait, je voudrais en faire quelque chose comme ça, une petite carte ou autre. Hein. Donc, ça peut très bien vous servir, je ne sais pas, pour les petits anniversaires de vos petits-enfants. Voilà, pour les petites invitations. Parce que franchement, c'est super simple à faire. À assembler aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de prise de tête. Franchement, c'est top, quoi. Donc là, en fait, ce que... Il y en a deux, hein. Donc, il y a pour faire le bocal là et pour faire celui-ci avec la petite cuillère. Il y a même le petit tag, là, la façon ficelle. Vous savez, quand on met sur les petits pots de confiture, franchement, c'est trop joli, quoi. Donc là, on va faire donc celui-ci. Donc, je vais prendre le dies, celui-ci le plus fin. Et avec celui-là, je me demande même si on ne peut pas faire une petite carte shaker. Du coup aussi, alors j'ai acheté chez AliExpress un petit dice comme ça, avec le robot de cuisine. Je ne l'ai encore pas testé, mais je vais le tester, tout simplement. Regardez, il y a les petits, tous les petits détails, hein. Franchement, c'est trop joli. Et ça, sur AliExpress, vous savez, la photo, quand ils vendent, là, c'était une carte shaker, en fait, c'était un petit shaker. Par rapport au robot, enfin au bol du robot. Là, on peut faire un petit shaker ici. Donc, les parties-là s'enlèvent, hein, ainsi que ici. Voilà, mais moi, je laisserai... Je vais voir comment je vais faire. En fait. Ouais. Je voulais en prendre un comme ça. Là, je pars carrément dans autre chose. Donc, du coup, on va faire quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment super simple. Donc moi, quand j'ai essayé, donc vous allez voir, parce que forcément, hein, voilà, j'ai pas fait le truc parfait. Et du coup, donc il faudra, par exemple, vos papiers, là, quand vous allez les recoller par-dessus, il faudra décaler un petit peu par là. Parce que sinon, vous entendez, voilà, ça gêne un petit peu. Bon, c'est rien de méchant, mais bon, voilà, si ça peut vous éviter de faire la même erreur que moi. Il y a aussi les petits... des petits trucs comme ça pour faire des petites étiquettes. Donc moi, j'en ai préparé une cartonnée comme ça et j'ai fait des trous dedans. Donc là, je pensais mettre une petite étiquette que j'avais préparée. Je pensais mettre compote de bisous. C'est trop mignon. Mettre quelque chose comme ça avec compote de bisous. Et du coup, on peut même passer... Bon, ça, je vous montrerai après. Ça, vous aurez plein d'exemples, enfin, pas plein, deux trois exemples. Bon, alors ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre une feuille de papier Bristol ou de cardstock, hein. Donc vous la pliez en deux. Moi, je prends un grand morceau, mais voilà. Et là, il y a la partie donc qui coupe, il faudra la poser dessus. Et en fait, alors là, je vais pas vous donner de mesure ou rien, mais c'est vraiment voilà. C'est vraiment à l'œil. En fait, la partie ici qui coupe, il ne faudra pas que ça touche le papier. C'est juste ça. Donc, au dos, je peux vous montrer. Ça vous donnera quelque chose de ce genre. Vous voyez, la partie qui coupe, elle ne touche pas le papier. Hein. Voilà. Donc, je vous conseille de faire au maximum, au minimum, pardon. Comme ça, vous n'allez pas perdre beaucoup de papier. Parce qu'après, si vous, par exemple, si vous allez, si vous faites comme ça, on verra plus trop la forme. Après, c'est pas très joli. Voilà, moi, il y en a un que ça m'avait fait ça. C'est pas moche, mais voilà. Autant faire quelque chose d'à peu près potable.
si on peut le faire. Donc là, je vais mettre juste sur ma planche les découpes. Et comme je vous ai dit, voilà, je veux vraiment mini. Hein. Alors, je vais juste me mettre là quand même, pour pas exagérer. Et je vais couper. On va passer dans la machine. Alors moi, ma machine, elle est... mince. Elle est embêtante. Voilà. Donc du coup, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, il y a... Voilà, donc ça donne ça. J'ai pas été trop loin. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller dessus. Alors, vous pouvez me dire qu'on peut coller ici bord à bord. Mais justement, c'est ça le truc à pas faire parce que forcément, il y aura un hic. Hein. Vous voyez, si par exemple, là au-dessus, je vais coller les deux parties là bord à bord, ça va me gêner après à ce niveau-ci. Parce que le papier qui va aller au dos, là, vont se toucher, quoi. Donc, c'est ce qui va donner ce petit bruit-là. Vous voyez? Donc, du coup, moi, je vous conseille de partir ici, vraiment au bord où j'ai plié, là, où il y a le... C'est mieux comme ça. Franchement, moi, je vous le conseille. Voilà. Donc là, je vais juste coller. J'espère que je suis bien cadrée. Donc là, j'ai changé la façon de... Comment ça s'appelle ? De filmer. Donc, je vous ai mis comme si vous étiez à ma place, quoi, tout simplement. C'est mieux parce que c'est vrai que les autres vidéos, on voit rien du tout de ce que je fais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. N'importe quoi. C'est vrai que des fois, pour être installé, tout ça, être bien... voilà. Mais pour faire des choses comme ça, je ne me vois pas assise et... Voilà, j'aime bien dans les vidéos être assise. Mais sinon, moi, j'aime bien être debout. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Donc, pensez bien là. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Ensuite, alors pour la petite Charlotte, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le dessus, là. Ça, je vais le doubler sur du papier. Voilà. Donc là, je vais juste prendre la partie là. Donc, on va mettre juste sur le devant. On n'en mettra pas au dos. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas dans le sens là. Là non plus. Alors du coup, je vais faire comme ça. Voilà. La partie là. Ensuite, alors pour l'intérieur, tout ça, j'ai essayé de mettre du papier, mais ça va dépasser à ce niveau-ci, donc je vous conseille de pas mettre de papier. Vous pouvez ancrer tout simplement, hein, parce que j'ai essayé, je vous dis franchement, parce que d'abord je voulais faire un petit mini, alors pas avec celui-là, mais d'abord je voulais les assembler les uns dans les autres, sans le couvercle là, donc si vous voulez le faire, voilà, il faudra faire une déco, je sais pas, avec des petits morceaux de papier, vraiment. Moi, je pars dans les trucs là. Voilà, donc là, j'ai ça, je vais ancrer mon papier. Donc je prends les Distress, la Velvet et la Old Paper. Celle-ci, c'est pas la Velvet là. J'ai dû mélanger les pads. Voilà, donc là je vais ancrer.
au dos, je rajouterai un petit papier. Pareil, je le collerai bien au bord là. Donc là, ça donne ça. Et ce que je vais faire, je vais juste adoucir un petit peu parce que j'aime bien quand c'est doux. Juste adoucir là. Voilà, et après, pareil, pour l'intérieur, vous pouvez voilà, ça me donnera quelque chose comme ça. Là ensuite, donc là, je vais coller ici. Voilà. Ça. Complètement tordu là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc ça vous donnera quelque chose comme ça. Ensuite, alors donc là vous voyez ça dépasse un petit peu ici. Hein. Voilà, moi je l'ai mis comme ça, j'aime bien. Sinon vous pouvez le redescendre aussi. Pas de souci. Et ensuite pour la petite déco, donc je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Alors vous pouvez aussi, alors avec le avec ça, donc il y a pour faire le petit nœud là, donc j'ai essayé, donc ça donne un petit nœud comme ça qui est très joli. Vous avez aussi pour faire les étiquettes comme ça rondes, donc il y a un petit morceau je peux le trouver comme un petit exprès. Je ne sais pas où il est. C'est dommage parce que je voulais vous montrer. Faire des petites choses comme ça. Alors, quelque chose qui se voit quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a un petit. Voilà, en fait, ça permet, comme le style ficelle là, d'accrocher ça dedans. Franchement, c'est super joli. Par contre, il a disparu le petit dash. Je ne sais pas où je l'ai mis. À moins qu'il soit là. Non. Bon, ben, c'est pas grave. Peut-être par là. Je vais le retrouver après, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, je vais mettre la petite fille là. Donc, je l'ai doublée sur du papier Bristol. Et je vais la mettre ici. Voilà. Je trouve que ça, elle va bien avec ça. Donc je mets juste de la colle. Voilà. Et là, j'ajouterai une petite fleur, je pense ici, ou peut-être sur sa petite charlotte. Alors, soit vous mettez de la ficelle autour, ou soit le petit dies hein, qui a la petite découpe avec. Moi, j'aime bien quand ça fait un petit peu... Donc, soit... Vous mettez ça, mais il faudra faire attention quand vous le passez, parce que sinon, ça sera collé avec l'autre derrière. Voilà, soit vous mettez ça, quelque chose comme ça. Vous le refaites passer là et vous pouvez faire un petit nœud de côté. Soit vous pouvez mettre du ruban très fin. Hein. C'est peut-être même mieux du ruban, comme ça, ça fait moins de... Voilà, soit ça, soit ça. Moi, je vais peut-être mettre du ruban. Bon, je vais passer ça là.
Voilà, et ensuite là je vais venir faire un petit nœud. Et par-dessus, un petit nœud, vous voyez, des petits trucs comme ça là. Comme ça, je coupe au bord, enfin à ras là. Voilà. Comme ça, et je peux refaire un petit nœud par-dessus. Pour celui-ci, j'avais fait comme ça là. Vous voyez, j'avais mis le même ruban, puis un autre petit nœud que j'avais moulé. C'est sympa aussi. Donc comme d'habitude, le tuto il sera long. Hein. Je voulais encore vous le mettre en accéléré, mais là il fallait que j'explique hein, que... Voilà. J'ajoute mon petit nœud. Donc ça donne ça. Et ensuite, là, je vais rajouter une petite fleur. Donc, est-ce que je vais la mettre là ou ici? Ouais, je pense que je la mettrai ici, mais là, je vais rajouter un petit mot. J'en ai encore un. Voilà, donc ça je vais le découper. Voilà, et je vais coller ici. Donc là je vais mettre compote. Peut-être je vais rajouter un petit ruban sympa. Voilà, là je vais rajouter le petit morceau de ruban. Pas de ruban de dentelle, pardon. Et là, compote. Et le bisou. Et la petite fleur. Et ça vous donne une petite carte comme ça. Voilà, qui est super mignonne. Pas compliqué à faire, franchement. Vous avez vu, hein, j'ai pris du... Ça, c'est du papier que j'ai imprimé. Ça, c'est imprimé de Pinterest. Ça, c'est une fleur Tilda. Et compote de bisous, pareil. On le trouve sur Pinterest. Donc, vous voyez, c'est rien de... Voilà, on peut tous l'avoir. Après, là, je vais mettre... Je vais refaire une petite déco. Donc là, je vais reprendre une étiquette comme ça. Je verrai bien compote de bisous aussi là-dessus, mais d'une façon différente. Et comme à fait exprès, je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas me remettre à faire mes trucs là. Ouh, compote de bisous. Où es-tu? Bon. C'est pas grave. Alors soit si je le trouve, hein, je pourrais peut-être le mettre. Non mais je trouve pas. Hein. Ah ah, il est là le petit coquin. Donc là j'ai fait avec le dies.
Non, mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il est là. Vous voyez, dès que je commence un truc, moi, il y en a partout. Hein. Partout, partout, partout. Donc là, j'ai pris le dice là, hein, qui va avec les petits pots de confiture. Donc ça donne ça. J'ai percé, j'ai fait deux trous avec... j'ai pas pris la crop dye, j'ai pris ça là. Et ensuite, là, je vais coller au centre. D'abord, alors soit vous mettez deux petits brads. Vous pouvez mettre deux brads. Hein. Et ça, vous les mettez après. D'abord, vous collez votre petite étiquette et ensuite, vous mettez les brads dessus. Ou soit, vous passez de la ficelle. Alors, mettez un morceau vous faites comme ça, vous le tirez jusqu'ici, vous mettez un point de colle là, parce que sinon si vous le laissez par par deux là après c'est trop épais, en plus c'est de la ficelle de chanvre. Voilà, c'est mieux de faire comme ça si ça veut bien tenir. Voilà, et là je coupe la partie là, vous voyez, ça vous donnera quelque chose comme ça. Ensuite vous coupez en deux et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, là vous mettez un petit point de colle, heureusement que j'ai un petit hein, Voilà. Pareil, je coupe ici. Et en fait, là, je vais venir coller ici. Donc, on va mettre un point de colle ici, ici. Comme ça, ça vraiment, ça consolide le truc. Et comme ma feuille, pas comme mon dies, enfin, mes découpes sont bien doublées, ça va pas gondoler, rien du tout. Rien du tout, vous voyez, et du coup après vous pouvez faire une petite fermeture comme ça, ou sinon au dos hein. Hop. Là j'ai pas terminé, mais quand la déco sera finie ça fera joli hein. Voilà, bon. Je vous montre quand même quelque chose de joli parce que vous allez dire, oh ben non, j'ai pas envie de faire comme ça, ça rend pas bien. Vous voyez, je... Voilà. Hop, on met comme ça. Voilà, donc imaginez là qu'il y a le petit papier. Et puis là, je vais venir coller compote de bisous. Et puis oh, voilà. Petite carte sympa. Voilà. Ici, je peux rajouter encore une petite déco ou un petit nœud. Je vais voir ce que je vais rajouter. Voilà. Et ça, j'ai oublié de vous dire, ça, c'était encore les papiers de chez Action hein, qu'il y avait il y a un moment. Donc, je les utilise. Hein. Vraiment trop joli. Voilà. Donc, vous voyez. On peut faire comme ça, y a plein de façons de faire. Ensuite, alors pour la maison, donc là j'ai commencé à assembler, donc vous avez le dice comme ça, donc je vais vous montrer. Donc ça donne quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut faire avec ce dice là, il faut couper deux fois cette partie là pour ensuite assembler. Donc là j'ai déjà assemblé ça comme ça, ensuite vous avez la petite fenêtre. Ici, le petit pot de fleurs. Pour ajouter aussi sur la toiture, le truc comme ça, là. Les tuiles. La petite porte. Il y a un petit petite banderole comme ça, tout petit. Franchement, c'est super joli. Bon, bah, là, vous verrez sans les fenêtres, sans rien. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que je vais voir pour faire un truc pour percer là et mettre de la ficelle ou quelque chose pour que. En fait, la boîte, elle s'ouvre et qu'elle se ferme.
Parce que si vous assemblez tout ensemble, si vous faites comme ça, y a tout qui est fermé, quoi. Donc la boîte, elle ne s'ouvrira plus. Donc si c'est pour offrir voilà, des petits bonbons. Franchement, c'est super sympa pour les anniversaires, pour les petits-enfants, les enfants. Franchement, c'est top, quoi. Hein. C'est super simple à faire, voilà. Hein. Voilà, ça peut faire quelque chose de sympa. Donc là, voilà, peut-être changer, modifier ici en haut. Voilà, percer vraiment un petit trou. Mais ça, je pense que ça irait parce que ça fait des petits trous, là, plus petits que la crop dial. Je vérifie. Ouais, ouais, plus petit. Ou la même chose, non? C'est la même chose, en fait. Voilà. Donc ça, je vais voir. Ouais. Rajouter les tuiles. Ou peut-être d'abord coller la tuile et puis ensuite venir percer pour assembler. Puis en fait, là, ça ferait une fermeture avec des nœuds, tout simplement. Donc là, je verrai pour ça. Là, je peux aussi rajouter... Ah bah je l'ai retrouvé bah finalement. Et ben ouais c'est ça. En fait c'est le petit truc là, en ficelle, bah il est là. Ensuite bah vous pouvez passer dedans comme ça. Voilà. Et l'accrocher. Ici ou... Moi c'est les mêmes couleurs donc ça ira pas. Peut-être ici. Oui, je vais voir. Et vous voyez, pour une fois, j'ai pas mis de dentelle. Je viens de m'en rendre compte maintenant. J'ai pas mis de dentelle. Tout autour, il n'y a rien du tout. Franchement, je m'épate. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto bah, vous aura plu. Bah, j'espère aussi que vous trouverez les dies là. Parce que franchement, quand je les ai vus, bah, j'ai tout de suite pris. Hein, j'ai pas cherché à comprendre. Franchement ils sont top quoi, il n'y a rien à dire, hein. De toute façon chez Action il n'y a rien à dire, moi j'ai rien à dire, donc j'espère que vous les trouverez hein, pour faire, hein. J'imagine déjà des abonnés bah, qui ont des petits enfants faire des petites choses comme ça, franchement c'est super sympa, voilà donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.